D'abord, on va vérifier qu'il n'y a pas d'issue. Une fois qu'on aura validé qu'on n'a pas le choix. Lâche. Mais oui. Complètement. Un système de plomberie de mauvaise qualité, si vous voulez mon avis. Mec pro en distillerie. Hein. D'où Jésus, quel soulagement, je ressens le froid dans mes os. Je dis pas ce que mamie ressent en ce moment. Des récipients d'eau en argile. Oh, comme j'aimerais prendre une bonne douche chaude maintenant. C'est pas le moment, Ernest! Oh Jésus, me cacher ici me fera certainement aucun bien à mes genoux. Mais non. Elle est trop petite, cette casserole, pour se cacher dedans. Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais, Ernest... Alors que si tu t'étais loin d'huile... Ça peut servir. Mettant l'huile à l'intérieur, ça peut mieux t'aider à te... J'ai pas besoin de finir la phrase. J'ai pas besoin de finir la phrase. Un seau est plein d'eau, provenant de la condensation sur ces tuyaux. Et franchement, la team d'enquêteurs, c'est un trafiquant d'alcool, un trafiquant de drogue. C'est que des trafiquants en fait. Quels sont pour tous. Bon alors on sait que la suite n'est pas là. Et la clé que j'ai ici, est-ce que elle peut ouvrir le réfectoire? Yes. Si, il y a un étage. Oui, il y a un étage. Oui, on y va. Oui, oui. Moi, je voulais aller faire pizza d'ananas. Et personne veut... Oui, d'accord, on y va. Oui. Ok. Ouais, ça me saoule, là. En fait, j'aurais espéré que derrière cette porte, j'entende un truc genre ben, que la porte est bloquée. Il était là. Non, elle était à la porte suivante. Les médicaments et les principes actifs. Pourri. Attention. 1, 2, 3. Ouais. J'ai pas encore toutes les pièces. Mec, t'avais des serpes décapitantes. Et tu prends ça. Oh non. Ah non. Non, non. Ah non. Ah je... Ah non.
Non, 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 non. Diverses recettes sur la façon de concocter de vieux remèdes. Non, non. Que diable à cet endroit? C'est tout. Non, il va se passer un truc. Mais je veux tout cramer en fait, le monastère. Et un robinet qui contrôle le passage de l'ouverture, ok. Poignée de pièces en métal. J'ai pas encore toutes les pièces. Oui, je pourrais certainement me cacher là-dessous. Est-ce qu'on la refait? Oui, je pourrais certainement me cacher là-dessous, ok. On va la refaire. Un vieux poêle dont la flamme brûle. Était-ce vous, Sébastien? Bah ben non, c'est une poêle, c'est pas Sébastien. Combiné. Oh. Qu'est-ce que je pourrais mettre? De l'alcool? Est-ce que je peux faire un plus... Oh! Attends. Je n'ai pas besoin de brûler ici. Ah, encore des trucs. À combiner. Des instruments abandonnés, des récipients, des mortiers. Regardez, je suis un tueur en série. Oh, un mortier, un mortier. Des livres. Je suis un tueur en série. J'arrive. Pendant que moi je suis. Pendant que la victime est cachée sous la table. J'ai encore allergique à la mort, c'est fou quand même. Je peux mettre mon sonotone, je peux. Ouais, je pense que c'est. Ah non, mais c'est pour brûler, ok. Il y a quoi à brûler? Je peux brûler mon. Non, voilà. Le sonotone, je peux pas brûler. Oh merde. Si je me souviens bien, la créature, dans la fin de l'épisode 3, suivait la personne que je recherche de là jusqu'à la porte. Mais il y a des petons. Une clé. Oh mais il y a un cadavre autour de la clé. Mais qui a posé ça là? Témoignage du prieur de la note écrite par le père Malachias. Pas nom de démon Malachias. Prieur de l'abbaye Sainte-Cécile. J'entends leur cri. Signé Mani. Il me hante. Il griffe désespérément la porte, essayant de s'enfuir, mais sont-ils seulement encore humains? La nuit, je les entends ramper les uns sur les autres de l'autre côté de la porte et je crains qu'ils ne cèdent. Ils supplient, se lamentent et pleurent. Les choses qu'ils disent ne devraient jamais quitter cette salle. Même s'ils réussissaient à s'échapper, à quoi cela leur servirait-il? Moi aussi, je suis piégé. Je ne peux plus ouvrir le passage de ce côté. Mais je ne dois pas les laisser récupérer ma clé, car ils se rapprocheraient ainsi davantage de leur projet de quitter notre abbaye. Dieu Tout-Puissant. Alors, Dieu Tout-Puissant, il me semble que c'est un... Non, oui. Accorde-moi la force de l'éviter, en deux mots. Peu importe le prix à payer. Je dois cacher quelque part où personne ne la trouvera. Pas tant que je vivrai. Cartman a quelques idées, mais je partirai sur une idée plus perso. Puisse Dieu avoir pitié de nous tous. Ok. Comment retirer ça? Il faut des... J'ai pas de pince.
Je dois séparer ses côtes avant de prendre cette... C'est une pince! C'est un sécateur! Et pourquoi tu... genre... Ses mains, ça ne peut pas être naturel. 1, 2, 3, 6, 5 doigts, c'est naturel. Merci à Nat Studio pour les 100 bytes. Ah ! Ah, JPPX. Oh. Attends. Attends. Ok, il y a une recette à faire. On va faire du luminol. C'est quoi la logique? Il y a une logique. Non, ce n'était pas la recette. Je suis arrivé avec mon sécateur. Je crois que c'est pas la bonne recette. Je crois que c'est pas la bonne recette. Mais est-ce que je peux comprendre que ce soit un poil intimidant, quoi. C'est devenu Resident Evil. C'est devenu un bon Resident Evil. Non la queue. Ok. J'ai pas envie d'aller au bout du couloir. On va aller au bout d'une piste. Le sécateur. Et voilà. J'avais raison. Des fleurs rouges cueillies dans la neige. Hein? Eh, hein? Tu vas pouvoir faire quelque chose d'utile avec ces fleurs. Oh non, 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 non. Tu sais. Oh, c'est bon. Fin. Ta 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 la ta la ta la. J'ai réussi à l'ouvrir, ok. Okay. Ok. Quelqu'un a récemment déplacé cette étagère. Oh. Un truc qui se passe, ça? Quelqu'un qui a ouvert une porte? Ça a couiné, et c'est pas moi! Cette fois, c'est pas moi, je te jure. Vous voyez comment je longe le bord? Je suis un enquêteur. J'arrive dans une pièce, je suis comme ça. Je suis là en mode... Tu sais, j'évite le centre de la pièce. Promis, je ferai plus de vannes. Promis, je ferai plus. Qu'est-ce que je. Eh, ce. Oh, mother of God. They can't still be here. Ils peuvent pas être encore ici. Si, ce sont des viewers, t'as pas le choix. Ils sont encore là.
Et c'est ainsi que j'ai eu une idée de créer TikTok. Tu vois. Au départ, je poursuivis des démons et je me suis dit que se filmer dans des courtes séquences de 30 secondes, ça pouvait vraiment donner un truc chouettos. Et pourquoi TikTok? Eh, parce que c'était le bruit que faisait mon cœur à chaque fois que je poursuivais ces putains de démons. Et donc... Pouah, je suis poisseux, comme qui dirait. Papier. Puis cette confession expier les terribles péchés que j'ai commis en lisant le chat. Tout a commencé avec les répétitions qui ont précédé le concert. Même si nous pensions tous que c'était simplement du stress, le moment venu et devant les nombreux invités, loués soient-ils, on m'a demandé de surveiller nos précieux textes pendant que les frères chantaient. Je ne les ai donc jamais entendus. Ce que j'ai entendu, c'est le hurlement qui s'en est suivi. Même si j'étais à plusieurs cellules de distance de l'église, quand je suis arrivé sur les lieux, c'était le chaos partout. Tout le monde disait des choses qui n'avaient aucun sens dans le chat. Il y avait, trois petits points, les gens là-bas. Je ne sais même pas par où commencer à décrire tout ça. Des morts, des blessés, d'autres étaient venus plus fous encore que la modération et nos frères bien-aimés de la chorale. Dieu Tout-Puissant, au début, ils semblaient normaux, mais ils se sont soudainement transformés en ce qui ne peut être décrit que comme une forme démoniaque, pour ensuite revenir à la normale quelques instants plus tard. Ils disaient des choses qui n'avaient ni queue ni tête, ils lâchaient des émotes dans tous les sens, ils ont souffert de crises épouvantables, hurlant et se tordant de douleur. Parfois, ils essayaient de nous attraper en désespoir de cause, lâchant des truites, lâchant des paniques. D'autres fois, ils criaient d'une voix qui semblait sortir d'un ami insondable. Nous les avons emmenés dans leur cellule à l'étage supérieur, dans le couloir faisant face au nouveau cloître. Et Dieu, aie pitié de nos âmes, nous les y avons enfermés. Nous avons fermé la porte et l'avons bloquée du mieux que nous pouvions avec une serrure. Il fallait plusieurs clés pour l'ouvrir. De cette façon, personne, cédant à un moment de faiblesse, ne serait tenté de libérer ce que nous venions d'enfermer. Oui, bah c'est comme... moi, c'est pareil. Si j'ai un pot de Nutella, Nutella, c'est dégueulasse. Eh bien, si je veux résister à ça, je le mets dans un placard fermé à clé et le placard, je le mets dans une pièce fermée à clé. Comme ça, je cède moins pareil au Nutella. Une clé a été remise à l'abbaye. Un autre au prieur. Et ça marche. Un autre encore au trésorier. La dernière m'a été remise. Pour cela, je demande pardon. Pardon, pardon! Et la force de bien faire les choses. Pardon. Pardon. Okay. On va voir un... Oh! Mais oui, on va peut-être voir un charnier. C'est pas un vrai bonhomme, là. Pardon. J'ai vraiment cru. Dans le fond, je me suis dit, oh non. Un triptyque avec des images. Un écran de quel jeu ça peut être? Ça a l'air sympa comme fiction et comme JDR, mais quand même. Oh non, un cul. J'avais pas vu. Oui, alors très bien. Vous savez, j'ai pas la réputation d'être quelqu'un de très observateur, vous savez. Jésus, il est mort en tenant sa clé. Quelqu'un l'a utilisé comme étagère. Oh mon Dieu. On l'a utilisé comme étagère. Quand même. C'est moche quand même comme fin. Quelle étagère? JPP de lui. Toujours JPP de lui. En fait, on commence à voir beaucoup de choses. On a la clé ronde.
ici et surtout on a les plantes. On a une clé ronde dans le nouveau cloître et on a une clé ronde en face. On a la plante dans la salle d'alchimie. Et m'a mis toujours en cuisson à 180. Non, j'ai pas ouvert la porte barrée. Scriptorium. Non, le mec, il a dit, faut pas ouvrir, en fait. Non, il a laissé une lettre, il a dit, faut pas ouvrir. J'ai laissé des clés pour pas céder à la tentation. Et il est mort avec. Mais pourquoi j'ouvrirais le truc? J'ai nom d'un cucu, là. Les plans du bibliothécaire. Notre manuscrit du frère Ernino. Bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Cécile. Frère Victorino n'arrête pas de profiter des blasphèmes. Et je sais qu'il s'opposera à la réouverture du couloir où nous avons enfermé nos frères. Et je sais aussi qu'il a caché sa clé dans l'encensoir. Et donc, qu'a y accéder? Je ne sais pas ce qui est arrivé à notre prieur, le père Malachias. Et j'ai le sentiment que l'abbé l'a enfermé dans sa chambre, lui laissant une seule sortie possible, la porte qui mène aux cellules. Si j'ouvrais le passage, je pourrais le libérer et le convaincre de corriger l'atrocité que nous avons commise. C'est un homme gentil et raisonnable. Du moins, l'était-il avant de concert. Dieu Tout-Puissant. Ah, il n'y a pas de tirer milieu. Dieu Tout-Puissant. Alors que la dernière fois, oui. Protège-nous. Chacune des personnes qui a assisté à ce maudit événement est devenue folle. Notre abbé, le père Agono, plus que quiconque encore. Au cours des psaumes nocturnes, il chante un air différent. Celui qui ressemble à la mélodie jouée par les musiciens avant cette nuit fatidique. Où que je sois, j'entends les échos déformés de sa voix dans le cimetière. Je dois lui parler et le convaincre de me donner sa clé. Ou trouver un moyen de l'obtenir, Seigneur de... Donne-moi la force de l'affronter. Un livre à moitié copié, ce n'a aucun sens. À moins qu'il ne s'agisse d'une sorte de souvenir. C'est vrai, c'est ce qu'ils font souvent les prêtres. Ils font que des souvenirs. Quoi. C'est les mêmes qu'on trouve à la sortie de gare. Le chaussée au moine, à la base, c'est un gros souvenir. C'est ça qui sent si mauvais, parce que tu laisses traîner et tout. Ouais, me cacher, ça tape très bien. Les moines se sont précipitamment enfuis de cette pièce. Il y a une page à moitié écrite. Oh, c'est tout en désordre! Peut-être qu'un moine a fait ses recherches. Il ne semble pas que celui-là a fait du bien. Mais moi aussi, je fais des recherches! Ça me fait pas que du bien! Tu vois? Il y aurait peut-être une cohérence globale là-dedans! Billet et lanterne, une source d'éclairage alimentée en combustible. Oh. Oh. Il n'y a pas de combustible dedans ou c'est moi? Je dois trouver quelque chose qui puisse brûler. Par mon swag. C'est moi ou... Super. C'est vrai qu'on a de l'huile qu'on peut faire cramer. Chaque fois qu'il prend une... À chaque fois qu'il prend une page, un papier, il est là en mode... Alors que dès qu'il faut faire de l'alcool... Page manuscrite du père Angounon. 5 décembre, sachant que c'était le 12 décembre au départ. Le frère Angounon est devenu fou. Une autre tragédie dans la longue liste des malheurs qui nous frappe. Jusqu'où faut-il errer face à une telle calamité? Ernino voulait ouvrir la porte, rassembler les clés une fois encore pour ouvrir la porte et les libérer. Je comprends sa compassion, loin des autres frères, je n'entends leurs cris que dans mes rêves, mais il doit les entendre jour et nuit. Et une telle horreur a dû le briser. Lorsqu'il est venu me voir, il m'a dit ce qu'il voulait. Je devais le faire. Si nous voulons avoir le salut,
Je ne peux pas hésiter. J'ai traîné son corps dans un sarcophage vide. Quoi ? Quoi ? Hein ? Mais... Pourquoi ? Oui, alors, je me sens quand même embêté parce que... j'ai de la culpabilité. Mais depuis que j'ai apporté le corps de mon ami dans un sarcophage vide, conformément aux ordres du faucheur, maintenant seul Dieu et la mort savent où se trouve la clé. Le vin contenu dans ces bouteilles a dû tourner. Des décennies de cela. Oh, mercredi, bientôt sur Netflix. Le placard est ouvert. Je pourrais me cacher là-dedans. Même, je m'y sentirais un peu à l'étroit. Ok. Que diable sont ces dessins ? Dernier ravitaillement des moines. La marmite est complètement noire à l'intérieur. Ok. Une pile de livres et de boîtes pourries. Ok. Mec, s'il te plaît. Je ne conseillerais pas ces parachutes. Personne n'a donc trouvé ce pauvre type depuis 40 ans. Si, si, tout le monde est passé devant en faisant des os. Des os ! Tiens bon ! Courage ! Quand on aura la fibre, on enverra un mail pour venir te chercher ! Et si, depuis 40 ans, les gens passent et savent. Devrais-je prendre l'appel ? Oui. Pic d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Ok. Tu vas rien rouler avec, je t'assure. C'est, t'es dans une enquête lovecraftienne. Calme ta joie. Mon Dieu. C'est la pelle d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Je n'étais qu'un garçon quand cet homme est mort. Mais mec, une grenade à la ceinture, je pourrais en faire don à un musée. Fais don de cette grenade à l'abbaye. Mais sans la goupille, tu sais. Tu peux l'offrir. Va prendre la grenade, non. Non, c'est trop... Non. Non, t'es vieux et t'as un sonotone, je vais pas te laisser une grenade. Tu vas le prendre, tu vas faire « Aïe mon oreille !» et tu vas le lâcher par terre. Non. Non, non, non. Je n'aime pas ce couloir. T'en arrive. C'est pas ce que j'avais prévu. Je pars refermer la clé. Genre, j'ai ouvert, je fais... Je voulais faire de la chimie. Juste, je voulais. On n'est pas allé à droite, du coup. Et on n'est pas allé au fond à gauche. Pense pareil. Ah, si seulement j'avais une grenade pour ouvrir la poitrine. Non, j'ai pas écouté. Thank you.
Oh, good God. The walls didn't fall after all. C'est bien raisonnable. Ouais. Par la croix, je vois l'image d'un saint, probablement le saint patron de la guérison de la maladie. L'aide de ceci du trésorier. Dernière parole du frère Vittorien. Rien dans les saintes écritures ne peut décrire cet endroit. Je le vois tous les soirs, et tous les soirs, il est différent et pervers. Pourtant, Brest en train n'est pas si loin. Cette couleur indicible, l'horrible lueur éclipsée dans le ciel, mon esprit est brisé. Pas même le diable n'est capable d'une telle fourberie, car il hurlerait de terreur en voyant ce que j'ai vu. L'horreur à l'état pur, la mort et l'oubli éternel sont un doux salut comparé à ceci. Si après m'être ôté la vie, je me réveillais dans une mer de flammes torturée, je verserais des larmes de soulagement, car enfin j'aurais une crêpe. Dépôt d'anciens médicaments, semblables à ceux que mes grands-parents avaient dans leur pharmacie. C'est un... Oh, dis donc, ce ne serait pas un petit bonhomme ? Oh! C'est un... Trois jeux de pièces détachées, mal métalliques. Ça aurait dû mercredi. Ouais, ils sont tous rassemblés, c'est ça. Tu sais, on dirait les magazines avec des petits jouets, tout ça. Et avec des trucs à monter soi-même. Cette semaine, tu vas monter ta propre poire de souffrance. Bonjour, bonjour. Ce soir, probablement, a été utilisé comme toilette portable. Je ne mettrai pas la main dedans. Alors que dans un cadavre du pipi, non. Par contre, des cadavres. Oh, oh. Tout Jésus. Ils gisent là comme des marchandises abandonnées. Des prières désespérées devant l'hôtel érigé à la hâte. Mon Dieu. Ah non, je suis serviette de bloc. Oh. Arrête! Arrête! Ernest! Ernest! Sérotique! Ernest! Stop! Oh! Voilà! Quoi? Quoi? Mais c'est une honte! C'est une honte, monsieur! Ayez honte de votre logique! C'est une honte! L'inclination. Faut toujours faire gaffe aux angles. Titre.
Et le truc, tu découvres que ça ne sert à rien. C'est... J'ai calmé mes névroses. J'ai calmé mes névroses. J'aime beaucoup les Lego. Ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Il voulait juste calmer, tu sais. Oh, je me sens bien, il faut que je résolve une énigme. Ah. Et la semaine prochaine, nous allons découvrir comment faire ta propre poire de souffrance chez toi. Cette semaine, nous allons découvrir en revanche comment retirer un petit objet si toi ou l'un de tes amis vous avez avalé un ballon de basket de travers. Attention à pas trop le gonfler. Ce serait osé. Les instruments sont rouillés et pleins de vieilles taches de sang. Le suaire est couvert de taches sombres. Alors, il est possible qu'en dessous, il y ait quelqu'un. Tu vois? Ok. Ok. Ah, poilà là. C'est vrai qu'on est avec Ernest. What is going on here? Quoi déjà? Sans deck? Quoi? Mais un peu de romantisme! J'entends pas, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Oh, finally. Offre-moi un kebab, je ne sais pas, un peu de romantisme! Un peu de préliminaire, je sais pas, déclame-moi un poème. Ouais, c'est un mec. Bon, température glaciale. Merde, je sais plus comment on fait. What the hell was that cursed thing? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la pièce à côté, je crois que c'est la voisine. Voilà. L'angle, il est incroyable, la cage thoracique. Sécateur, non. Par contre, une pelle, peut-être. Non plus. Bon, bah, un écarteur chirurgical, alors. Oh, Jesus. Y'a pas d'autre moyen, n'est-ce pas? No other way, right? Mais l'angle, il est juste incroyable. Oh. Clé ornée appartenant au prieur, une clé jaunâtre ayant appartenu au père Malachias, prieur de Sainte-Cécilia. Ouais. Ouais. Mon Dieu, la clé est à l'intérieur de ce corps depuis tout ce temps-là. Ouais. Non. Instrument musical conçu. Ok, j'ai récupéré l'écarteur. Une des lames est cassée, donc je peux peut-être le re... Ça ne sert à rien si j'arrive pas à remplacer la lame cassée. Ok. De quel spectacle répugnant. Il y a une autre porte là.
chaud. Je suis pas chaud. Je suis pas chaud, là. Il y a personne qui est chaud. Personne. Personne qui est chaud, là. Quelqu'un bloqué la porte, je dois retirer la planche pour pouvoir passer. Ouais, bah ok. J'aimerais qu'on le consigne dans le grand livre des rancunes que je voulais pas ouvrir. Je ne voulais pas ouvrir. Sachez-le. Ah, je suis d'accord, si quelqu'un le bloquait, c'est qu'il avait raison. Oh! Ça veut dire qu'il y a la voiture qui nous attend? C'est safe. C'est quoi ce bruit de... de grattage et de djembé? Il y a un hippie? Oh non, d'un cul là. On a entendu quelqu'un râler? Quand je disais qu'il y avait pas, que je courais pas. Y a pas un angle de vue, s'il vous plaît. Je pense que je pourrais forcer l'ouverture du couvercle avec une pelle. Non ? Rien. Juste... je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Au lieu de se déglinguer, la serrure et la clé ont fusionné à cause de la rouille. Où est l'anti-rouille? Eh bien, on va pouvoir, à force... pouvoir financer l'anti-rouille. Mais non, normalement, non, on ne fouille pas. Mais là, il est... enfin... je sais pas si je dois faire ça. Hein, voilà. En fait, il y a deux choses. Mais je suinte pareil. Hein. Je suinte de ouf, là. Je sais pas trop s'il faut que j'ouvre. Hein. Et quand je dis je sais pas trop, ça veut dire qu'il faudrait pas que je le fasse. Mais que je le fais. Juste un corps enterré ici depuis des années. Rien que des os, c'est d'ailleurs ce qu'on trouve habituellement dans une tombe. Il est vraiment rare d'y trouver autre chose. Faudrait une machette pour pouvoir passer par là. Et un char pour ouvrir cette porte. Super idée! Une grenade! Pourquoi n'y ai-je pas pensé? La statue est ancienne et montre des signes évidents de dégradation. Vandale, fourien.
déconnais, je déconnais, je déconnais, je déconnais, je déconnais, je déconnais. Je déconnais, je déconnais. Comment on ne peut pas aimer Aladdin? Tout ça pour un morceau de pain. Non. Non. C'est vrai que je peux me cacher dans la tombe, s'il te plaît. Il y a un hippie qui fait du djembé là, quoi. L'angle est... Je déteste l'angle. Juste un corps enterré ici depuis des années. Rien que des os. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve habituellement dans une tombe. Il y aura d'y trouver autre chose. J'ai pas envie de descendre plus bas, parce que plus bas, il y avait le bruit, là, avec le matou. Tu la sens, la spatialisation ? Que je pourrais ouvrir en tirant simplement sur le heurtoir. C'est moi le truc qui est en train de pointer du doigt à gauche là. On ne pointe pas les cadavres du doigt. En fait, je les ouvre tous, mais si ça se trouve, je les ai ouverts, je leur ai donné l'accès, et que ils vont sortir, ils vont pouvoir tous ouvrir, sortir. C'est juste semblable à celle qu'on trouve ordinairement dans les cimetières chrétiens. Je reconnais, c'est un facepalm. Je vais arrêter d'ouvrir les coffres. Coffre, pourquoi je dis coffre? J'ai peur qu'en ouvrant tout, en fait, ça va sortir. Ouais, ce serait dommage de ne pas utiliser la pelle. Ce serait dommage. Ce serait du gâchis. Cette statue me rappelle certaines sculptures égyptiennes. Pas tant dans le style que dans la pose. Non, c'est pas comme ça que je réagirais.
Une boîte pleine d'outils tranchants, rouillés et tachés de rouge. Ça doit être de la groseille. Ben dis donc, ils adorent les fruits ici. Non. J'ai même pas écouté avant d'essayer d'ouvrir. Mais je suis un malade! J'ai même pas fait attention. Ça s'est allumé. Oh, tu as très bien fait de me répéter. Ok, je pense qu'on va aller en bas à droite, d'après le plan. Oh merde, 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 merde. Ok, derrière moi. Dans le confessionnal. Ok. Arrête de geindre. Pourquoi? Mon père, j'ai sursauté. Là, normalement, je crois que... Non. Ouais. Bon, on a une lampe, c'est-à-dire qu'on peut tout modifier. Je pense plus qu'il faut aller du côté du puits. Je pense qu'il faut éclairer le puits. On peut être un peu de combustible, ok. Si je la retourne, elle peut se déverser là comme ça. L'antenne remplie d'alcool. Comment je l'allume? Non. Bizarre ça. Il manque une mèche, il manque un truc pour allumer. Est-ce que... Mais mec, t'as une bougie dans la main. C'est déconcertant cette histoire. Bon là il y a le bruit super flippant. Je me casse.